destroy this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than him when it comes to constructing. His hands have laid the very foundation, the same hands will place the capstone. Shalom frères et sœurs, amis de Gospel Cross, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux connectés sur www.gospelcross.net. Nous sommes ici dans le cadre d'une émission, donc Conviction, émission au cours de laquelle nous recevons les hommes de Dieu qui nous parlent de la façon dont ils comprennent le message de Frère Branham. Aujourd'hui, dans ce même cadre, nous recevons un pasteur, qui est pasteur tout aussi musicien et artiste, avec qui nous allons essayer de parler, de cortiquer certaines questions qui font couler beaucoup d'encre dans le monde du message. C'est la suite à des déclarations qui ont été faites. Je sais que vous êtes au courant déjà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et alors, nous avons eu ce privilège de recevoir avec nous aujourd'hui le révérend pasteur Simon-Pierre Lefoco du Ciel, qui va répondre aux questions que nous allons lui poser. Avant cela, nous recevons d'abord pasteur Lefoco. Pasteur Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Comment merci. Vous portez? Oui, ça va, ça va. Vous savez, c'est comme Frère Branham dit, hein, derrière chaque combat structuraire, il y a toujours une très grande bénédiction. Alors, je crois qu'au cours de l'émission, je vous parlerai de cette grande bénédiction qui vient de me tomber il y a 3 jours. Vraiment. Nous en parlerons. Donc, je crois que je vais très bien par la grâce du Seigneur. Vraiment, c'est une très bonne chose. Pasteur, nous sommes très honorés que vous ayez disponibilisé de votre temps, malgré que vous étiez trop occupé. Vous avez quand même disponibilisé de votre temps pour répondre à ces questions et pour aider les enfants de Dieu. Sans pour autant tarder, pasteur, nous allons entrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de questions que les gens se posent suite à une déclaration que vous avez faite. Une déclaration selon laquelle Dieu a terminé sa course dans un homme. Et vous avez même insisté là-dessus, vous avez même dit que Oyo Aboi est allié. Et alors ça suscitait beaucoup de problèmes. Alors donc ma toute première question d'abord, j'aimerais savoir, pasteur, cette déclaration-là, est-ce que vous l'avez faite de vous-même ou vous avez tiré ça des prédications de Frère Branham? Ou c'est votre propre compréhension, ou c'est une révélation comme aujourd'hui les gens de révélation. Non, mais je crois que c'est un peu comme disait un vieux pasteur, il me disait, il faut que quand il fait une déclaration, vous devez faire attention. Il faut les chercher, causer avec lui, peut-être qu'il vous dira où est-ce qu'il a eu ça, au lieu d'être pressé à raconter, à parler, parfois ce qui n'est pas bien. Je crois que vous avez entendu même beaucoup de pasteurs réagir là-dessus. Ceux qui connaissent la quintessence même du message disent non, mais c'est normal. Et même ceux qui ne comprenaient pas, ils ont trouvé que c'était quand même pas bien tout d'abord. Une prédication de au moins 1 heure ou 2 heures, 1 heure et quelques. On coupe un petit truc, on fait des montages et puis crac, crac, voilà. Voilà ce qu'il dit. Donc, ça veut dire, ça, ouais. Ce n'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout. Donc, les choses ont été dites dans leur contexte. Ouais. Donc, il y a des contextes de choses. Donc, quand vous enlevez la chose de son contexte, tout est parti. Tout est parti. Ouais. Donc, vous enlevez même l'os de la chair d'un homme. Il ne peut que tomber. Ouais. Donc, voilà, c'est des déclarations. Ça ne commence pas par là. Ouais. Il y a une autre déclaration avant. Jésus viendra dans son peuple sous la forme physique et tout, ouais. Tout ça. C'est surtout cette partie qui a alors soulevé, on dit, quand on dit forme physique, c'est que Frère Branham en question est devenu Jésus, il faut maintenant l'adorer. Donc, il adore. William Marron Branham. Ouais. Alors, le donc, ce n'est pas une bonne chose. Sous la forme, ce n'est pas un péché. Parce que Dieu, dans sa nature, c'est toujours ce qu'il a toujours fait. Il change des formes, mais il ne change pas sa nature. Il change des formes. Il peut prendre aussi ta forme. Il peut prendre aussi ma forme. Mais ici, nous parlons d'un grand événement que nous, qui croyons le message de William Branham, nous appelons ça la manifestation du Fils de l'homme. Ouais. Le ministère de Jésus-Christ en tant que Fils de l'homme. Depuis tous les temps, un Fils de l'homme a toujours été un prophète. En fait. Depuis tous les temps. Ce n'est pas du nouveau. Donc ce n'est pas du nouveau. Que je l'ai dit, mon jeune frère Sylvain Chanté, la destination finale de Dieu, tout ça. Bon, ça ne crée pas de problème.
Et bah, peut-être quand ils comprennent, peut-être dans la chanson, ça passe un peu plus doucement. Ouais, mais nous, là, c'était dans la prédication que ça fait des trucs comme ça. Non, ça, mais vous savez, nous allons continuer, mais je vais vous lire quand même une citation, petite citation. Oui, allez-y. Vous allez comprendre que, par exemple, quand nous parlons, c'est des contextes. Ouais. J'ai dit ici, par exemple, Frère Banham, il dit ceci dans la prédication, c'est dans l'exposé des âges de l'Église, une déclaration que j'ai trouvée qui m'a... Il y a longtemps que j'ai toujours lu cela, mais je voudrais aujourd'hui exposer des âges de l'Église, l'âge de l'Église de l'Odyssée. Dans l'exposé des âges, c'est page 364. Frère Banham dit, c'est le dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autre. La salle du trône est installée, les 12 fondations sont posées, les rues sont pavées d'or. Les portes des perles géantes ont été dressées et posées sur leurs charnières comme une pyramide. Elles se dressent, belles et glorieuses. Les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent, muées d'admiration car elles brillent d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce miraculeuse et de l'amour de Jésus. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants et bientôt, ces derniers inonderont de joie des rues. Oui, c'est les derniers appels. L'esprit ne parlera plus dans un autre âge, car les âges sont terminés. Mais c'est fini. Donc, l'esprit ne peut plus parler. Quand il parlait là, c'est terminé. C'est un contexte des choses. Ouais. Mais le Saint-Esprit continue à parler dans des églises. Vous comprenez? Le Saint-Esprit nous parle au travers des bébés. Le Saint-Esprit nous parle au travers... Mais nous parlons ici des âges de l'église. L'esprit ne parlera plus jamais. Il a parlé par Branham, point, très, fini. C'est fini. Comme je dis, ouais, Boyango est allié. C'est comme ça. Ouais. Tout celui qui comprend bien le message, il saura que nous sommes dans les derniers âges. L'esprit ne parlera plus jamais. Mmh. Donc, quand il parle, là, il parle par Branham. Pas seulement ça. Ouais. J'ai encore une autre citation oui. que j'ai beaucoup aimée. Paragraphe, leçon confie, prêché à Bloomington, et samedi 14, le 15, 4, 1961, le soir, Frère Branham dit... Et vous entendrez cela vers la fin. Hein? Ouais. Vous entendrez cela pour l'une des dernières fois. Car je quitte la contrée. Il n'y aura personne d'autre dans les champs jusqu'à ce que je sois parti. Ainsi dit le Seigneur. Il n'y en a pas eu, il n'y en aura pas. Venez pendant que vous le pouvez. Il n'y aura plus personne dans les champs. Mmh. Je suis le dernier. Point très ouais. fini. C'est un contexte des choses. Moi, je continue à aller dans les champs missionnaires. Malgré ça, vous m'avez trouvé dans les champs missionnaires. Ouais. C'est un autre contexte de choses. Nous parlons du ministère du Fils de l'homme pour ça. Jésus a terminé sa course dans l'homme William Marron Branham, comme il a commencé dans Paul. Ouais. Il est l'huile qui traverse les chandeliers. Il est le Saint-Esprit qui agit au travers des âges. Pour ça, c'est innégociable. On ne peut pas négocier. Ouais. La course, le soleil, a terminé. Nous chantons. Et voici que la lumière du soir, c'est la fin de la course. Elle manifeste le Fils de l'homme. Ça, on ne peut pas négocier. C'est ce que nous croyons tous. Et je remercie le Seigneur ici parce que j'ai eu combien d'appels, mon téléphone, même à midi seulement, ça s'arrêtait. Des pasteurs, des fils de Dieu qui m'ont encouragé, ne sois pas seul. Peut-être que nous, on ne peut pas passer dans les réseaux sociaux. Mais nous t'aimons, frère, pour cette déclaration. Ce que tu as dit, c'est le message. Et je bénis le Seigneur. Je croyais peut-être que j'étais... Et pour ne pas dire seul, ne pas être prétentieux dire seul, ouais. parce que c'est des choses qu'on a écoutées. Dieu s'est réservé d'autres. Des autres, il y a eu des frères qui ont dit non, 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 nous croyons. Et ça continue à tomber sur des messages WhatsApp, ça continue à tomber sur des messages email. Donc nous, nous sommes avec toi des pasteurs, surtout des pasteurs. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour cela. Ok, pasteur, donc juste avec votre dernière déclaration, oui. Donc avec la chanson, vous dites, donc c'est la trajectoire du soleil. Oui. Je dirais peut-être, ce qui a chopé les gens, c'est qu'on connaît que le soleil, ça a toujours été le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr. C'est lui qui a commencé donc, le voyage oui. à l'est. Oui. Lui, le Fils de l'homme, il s'est manifesté à l'est, oui. dans un corps, oui. à Alpha, mm-hmm. en Galilée. Et c'est lui-même qui vient se manifester ici, à l'ouest. Mm-hmm. Donc ici, à Jeffersonville, si on peut le dire. Mm-hmm. Alors peut-être ce qui a chopé, c'est qu'on pourrait, on voudrait peut-être que vous puissiez clarifier, c'est que lorsque le soleil entre dans un homme, donc le soleil s'incarne dans un homme,
Et là, maintenant, on voulait peut-être savoir, quand ce soleil-là s'incarne dans un homme, est-ce que ça s'incarne partiellement ou et ça s'incarne pleinement? Parce que les gens ont dit même que, non, non, dire que le soleil a terminé sa course dans Frère Branham, au fait, vous faites de Branham un Dieu. Donc, ça veut dire que vous dites que bon, Jésus-Christ... C'est notre débat, d'ailleurs. Hein? Ouais. Nous sommes des dieux. Ouais. Moi qui n'étais pas, je suis un dieu. Dieu, ouais. Toi aussi, tu es un dieu. Ouais. Que les gens n'aient pas peur, parce que la Bible dit, Dieu a fait de Moïse, ouais, Dieu, j'ai fait de toi un dieu, ouais, et Aaron, ton frère, sera un prophète. Ouais. Ce n'est pas de cela que nous voulons parler maintenant. Ouais, être ouais. Dieu ouais. ne peut pas aussi achoper les gens. Okay, c'est, bon. Non, c'est de la parole de Dieu. Mais nous disons ceci. Ouais. Que... C'est pourquoi on dit on ne peut pas couper une prédication, pac, 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 et puis on dit voilà. Et, ce non, qu'il a dit. Non. Mm-hmm. Le soleil, le ministère de Jésus-Christ, ouais, qu'il avait fait ouais, dans Alpha, comme vous l'avez aussi dit, ouais, par la croix, ouais, par l'œuvre de la croix. Parce que nous sommes ici en tant que croyants du message Luc 17, 30. Ouais, ouais. La grande promesse qui nous a été donnée, ce qui arriva du temps d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes la postérité d'Abraham. Ce qui est arrivé à notre père arrivera de même à la fin des temps avec nous. Ouais, ouais. Alors, du temps d'Abraham, on a dit qu'il a pris un corps comme ça, là, ouais, trois, et puis il est venu visiter Abraham. Ouais. Mais aujourd'hui, par la mort à la croix, c'est possible que Dieu entre dans un homme. J'ai dit par la mort à la croix. Le temple est maintenant pur. Le sang de Jésus a purifié un homme au point que la divinité peut de nouveau habiter dans un homme. Donc, ce n'est pas un scandale. Ouais. Ce n'est pas un scandale. Aujourd'hui, Dieu peut prendre un homme de corps et de chair, de péché, ouais, par l'œuvre de la croix, bien sûr, et il peut s'incarner au travers de lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on commence à adorer. Mais comment on peut l'adorer? Ouais. C'est pour accomplir un ministère. C'est pour accomplir un ministère. Jésus-Christ, d'ailleurs, Judas, ouais, de la bénédiction de Judas. On dit que tu recevras l'hommage de tes frères. Ouais. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ouais. Judas est comme un lion, virgule, comme une lionne. Ouais. Donc il est aujourd'hui le lion et il est aussi la lionne. La lionne, la lionne c'est l'épouse. Ouais. C'est son épouse. Ouais. Il est venu au travers de nous. Il ne s'agit pas de l'adoration. Frère Branham le dit depuis tout le temps. Qu'il ne s'agit pas de l'adoration des anges, mais du ministère des anges rendu semblable à celui du Fils. Donc quand nous voyons ce ministère-là, lui-même ouais, a tiré beaucoup d'attention là-dessus. Il dit, vous pouvez faire la différence entre un Fils de l'homme et le Fils de l'homme. Ouais. Un Fils de l'homme vient révéler le Fils de l'homme. Et nous pouvons faire la différence entre ce corps de William Branham et la divinité qui a été incarnée. Nous ne pouvons pas l'adorer, jamais. Bon, je l'ai dit. Ouais. Je crois que j'ai prêché, j'ai mis même mes mains sur la Bible en disant que je ne termine pas la prédication, que je meurs si et simplement si ce que j'ai dit c'est pour plaire à quelqu'un. Non, on ne peut pas l'adorer, on ne peut pas l'adorer. Abraham lui-même, quand il a vu cette visitation, il n'a pas adoré. Hein? Il a vu la chose, il dit Dieu dans la chair humaine et tout et tout et tout. Et aujourd'hui, des faux procès. Ce que j'ai dit là, je crois que comme toi-même aussi, tu l'as dit, dans la prédication des frères Branham, oui, de ce moment, prêché vendredi le 13 et 7-62 à Spokane, paragraphe 222, il dit « La civilisation est venue de l'Est et a suivi le soleil à l'Ouest. » Et c'est vrai, c'est à la côte Ouest maintenant qu'elle se déplace encore. Elle retourne à l'Est. Si elle retournera à l'Est, j'aimerais prêcher cela. Quand l'Est et l'Ouest se rencontrent, regardez, le soleil s'élève à l'Est et il poursuit sa course à l'horizon et se couche à l'Ouest. Le même soleil qui s'élève à l'Est se couche à l'Ouest. Et c'est vrai, maintenant le prophète a dit qu'il n'y aura un jour qui ne pourra être appelé ni jour ni nuit. Le temps du soir, c'est là où le soleil couche, non? Ouais. Et c'est au temps du soir que la lumière paraîtra. Ouais. Et le soir, c'est l'Occident, c'est à l'Ouest. C'est l'Occident. Géographiquement, Dieu nous a montré où le ministère en question devait être révélé. Je ne sais pas. Ou on croit que l'Ouest, là où le soleil se couche, c'est peut-être un arbre. Ou... Non, mais il doit coucher sur un homme, vraiment. C'est que moi, je comprends. Ouais. Le ministère, Dieu, s'il voulait prêcher au travers des arbres, il pouvait les prêcher. Ouais. Mais Dieu n'utilise que l'homme. L'homme. Et Branham dit, pour ce ministère-là, il n'y aura pas deux personnes. Il dit, il est le seul. Dans un âge, il n'y en a qu'un seul. Et pour que nous puissions reconnaître ce ministère, il y a un signe qui nous a été demandé. C'est le signe du discernement. Ouais. Et ça, on l'a vu que dans un seul homme et point très. Et aujourd'hui,
C'est un contexte des choses. Dieu termine sa course. Mais moi-même, quand je prêche dans mon église, j'ai des bandes dans mon église. Là où je démontre que la finalité de ce message, il faut que Jésus termine sa course dans les croyants. Dans la vie que nous menons, la vie chrétienne. Pas seulement dans le pasteur, pas seulement dans le prophète Branham, mais dans le croyant, dans l'individu. C'est un contexte. Je ne demande pas aux croyants d'être le fils de l'homme. C'est ça. Non. Frère Branham dit, pour ce qui est de prier pour les malades, votre pasteur peut le faire. Mais pour ce qui est de ceci, votre pasteur n'est pas appelé à le faire. C'est ça. Ainsi dit le Seigneur, je suis le dernier. Point très. Mais ça ne veut pas dire que Frère Branham est le dernier à prêcher. Vraiment. Donc, comme vous l'avez dit, c'était seulement là le fait qu'on a juste pris là. Donc, c'est pris comme ça là. Petite partie. On enlève toute la prédication et tout. J'étais en train de parler sur la venue du Seigneur. Voilà. J'aurais bien aimé encore que nous puissions dire, bon, c'est surtout ce qui fait très mal. Les pentecôtistes peuvent parler. Ouais. Parce qu'ils ne comprennent pas notre langage depuis tout le temps. Ouais. Ils disent, quand nous parlons de l'aigle, ils disaient l'air magie est dans l'air. Quand nous parlons de la colonne de feu, vous voyez, ces gens-là, ils ont des langages. On parle de la pyramide, c'est du diable. C'est des diables et tout. Depuis tout le temps, ils nous ont jamais compris. Ils n'ont jamais compris notre langage. Quand nous chantons, quand nous faisons tout, il faut toujours expliquer tout. Mais cela devient un peu plus grave quand les nôtres, vous avez des polygames, des bifames qui rentrent dans cette histoire, qui parlent. Donc, des gens peu recommandables dans le message, qui peuvent parler de ces choses. Des gens qui boivent l'alcool et tout, non, il faut que c'est un diabolique, il a dit des choses qu'il dit là, terminer la course et dans la forme physique, c'est fausté, diabolique. C'est antichrist. C'est grave. Ça fait même, vous savez, moi, j'ai dit aux frères et sœurs de beaucoup prier pour moi, parce qu'on est quand même, on a le sang et la chair. Tu sais, depuis que j'ai cru le message, beaucoup de plus de mon temps, je l'ai passé beaucoup plus dans la tristesse. J'ai cru le message, mes parents m'ont chassé. J'étais petit. J'arrive, le frère qui m'a reçu, il meurt. Un deuxième frère me reçoit, il meurt. Il meurt aussi. Donc j'étais comme ça, à la traîne. Souffrance comme jamais. J'ai chanté pour la première fois dans l'église. Dès que j'ai terminé, le pasteur a dit, ce garçon a des démons. Première fois. Ouais. Tout le temps de persécution. Je chante, j'entre au studio. C'est la mondanité. C'est un païen. Oui, Rasson. J'ai fait le concert. C'est grave. C'était des injures, des injures. Mais plus tard, quand les gens voient ça dans le message, maintenant qu'il y a des concerts et tout, on commence à jouer. Mais moi, dans l'entretemps, j'ai reçu des blessures. Tout le temps comme ça. Il y a division. Les autres sont partis à côté. Mais pour les autres qui sont restés, c'est lui qui a créé la chose, c'est l'Ifoko. Ça y est, même sur YouTube. C'est lui, il a chanté Ikabod, la gloire n'est plus. Ce qui est faux. Ikabod, je l'ai chanté, nous étions tous là. Donc mon nom, je n'ai jamais compris. Je chante l'inspiration, alors là c'était grave. Comment il peut dire, c'est plus fort que les écritures. On m'attaque. Katapas, non, vous êtes là. C'est terrible même. Donc c'est grave. Et Dieu au féminin. Dieu au féminin. C'est... Et tout le temps c'est comme ça. Je disais même dernièrement en priant, je dis Seigneur, jusqu'où tu veux m'amener? Mais j'ai toujours vu la main de Dieu. Dès que je fais ça après. Vous regardez un peu ce qui est arrivé ici. Les gens, j'ai entendu les pentecôtistes. Il ne faut plus l'écouter. J'ai fait un concert, vous avez été là-bas. Ouais. Vous avez vu comment la salle pleine, même les gens qui étaient dehors, étaient plus que même les gens qui étaient à l'intérieur. C'est cette grâce de Dieu. Mais là, il y a un grand groupe ici qu'on appelle The Joy Celebration. Ouais. Ils ont envoyé des gens. Il faut aller chercher ce pasteur-là, il faut qu'on... Il va signer un contrat avec nous. On va l'introduire dans le monde anglophone, comme ça il va jouer dans des grandes salles de concerts qui n'ont jamais existé. Alors que même dans le monde des messages, on est en train de vous bousculer. C'est là. Donc Dieu, dans sa grâce souveraine et tout, il dit, bon écoutez, le gars ici peut-être il risque de fuir ses frères, laisse-moi ouvrir une brèche ici et laisse-moi. Donc c'est un peu de choses comme ça, même aujourd'hui là je crois que nous irons aller signer le contrat pour comment on va faire ce concert là. Et tout, il y a des grands pasteurs ici, Soli, je crois Soli ou quoi là, qui chantent. J'étais très surpris d'apprendre qu'il aime bien les cantiques que je fais et tout. Soli Machang. Voilà. Des choses comme ça. Et que tous ces gens-là aimeraient bien chanter avec moi, voilà.
ce que fait le Dieu de Branham. Ah, voilà, merci beaucoup, pasteur. Comme vous venez de le dire, là, on a commencé par la prédication, mm-hmm. on a fini par la musique. Mm-hmm. Et ça nous introduit dans notre deuxième question. C'est, ça fait aussi beaucoup de polémiques, ça fait couler beaucoup d'encre. Mm-hmm. C'est dit que bon, finalement, tous les chanteurs sont devenus des pasteurs. On a même dit que bon, ils considèrent ça comme un tronc commun. Déjà que bon, quand tu commences déjà par faire un album, après ton premier album, déjà on connaît déjà que la G2, la deuxième année là tu seras déjà. Donc c'est déjà la chair. Ouais. Tu peux peut-être commencer par le donc tu es prédicateur ministre, mais tu vas toujours finir par aussi te tirer un groupe de gens et tu deviens pasteur. Et comme vous avez l'habitude de le dire que lorsque vous avez une citation de frère Branham, vous devenez têtu. Et les gens ont dit que non, non, il y a une citation de frère Branham dans les actes du Saint-Esprit prêchés le 19 décembre 1954, paragraphe 6, où frère Branham parle de frère Temple. Il lui dit, tu as un talent, tu chantes très bien et j'aimerais que tu restes là. C'est ça ta place. Ne pars pas derrière la chair parce que ta place... Et non, 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 dis-le bien. Il a dit, ne vaut pas aller derrière la chair. Il a dit, frère Temple, ta place, c'est dans le chant. Il n'a pas parlé de la chair. Il n'a pas parlé de la chair. Alors, il faut bien dire les choses. Ouais, donc il n'a pas parlé de la chair. Malheureusement, donc on devait lire la citation là. Il n'a pas parlé de la chair, non, mais j'ai la chose ici. On peut. Ouais, je crois qu'on peut lire pour les enfants de Dieu parce que c'est aussi une citation oui. qui vraiment bon, beaucoup de gens ont dit non, non. Comment je crois ouais. qu'on peut lire la citation là. Vous avez dit c'est dans les. Dans les actes du Saint-Esprit, ouais. paragraphe 6. C'est prêché le 19 décembre 1954. Mm-hmm. Ouais. Je crois que c'est frère Branham, ouais. Les actes du Saint-Esprit. Excusez-moi, par exemple, là, je prends un peu la citation complètement. Ouais, donc c'est mieux, au lieu de paraphraser, c'est mieux qu'on lise, ouais, ouais. qu'on comprenne le contexte. Comprendre le ouais. contexte, et puis je crois que ça pourra nous aider à aller un peu plus, devant. Ouais. Ok, donc c'est dans les actes du Saint-Esprit, paragraphe 6. Ouais. Frère Branham dit, j'étais assis il y a quelques instants là derrière avec Frère Wood, ouais. un petit ami qui est ici à l'église, ça fait longtemps, a toujours voulu trouver sa place. Ouais. Je pense que je pourrais le lui dire, si seulement il veut faire cela, ouais. c'est chanter. Frère Temple, il se peut que vous fassiez une chose ou une autre, ouais. mais vous êtes un bon chanteur. Ouais. J'apprécie vraiment cela, certainement. Si vous pouvez vous adonner au chant, Dieu vous utilisera. Mais ouais. vous êtes en train de tout faire sauf la chose qu'il faut. Mmh. Alors moi, la question est de savoir, qu'est-ce ouais. que Temple faisait de Faisait-il les diaconats Faisait-il la prédication? Faisait-il quoi pour que Frère Branham lui dise, laisse tout ça là, ouais. concentre-toi. Ah, les gens disent, oh, ne faut pas aller derrière. Frère Branham n'a jamais dit ça. La chose, elle est la claire. Ouais. Adonnez vos chants. Voilà votre temps là. Il vous faut l'utiliser. C'est merveilleux. J'aime ces cantiques de l'ancien temps. Pas vous. L'Assemblée dit, mais amen. Oui, oui. À attendre cela de la manière ancienne comme cela. J'aime ça. Frère Neville, assurément, j'aime ça. Voilà. Non, on ne parle pas de la chair là-bas. Non, on n'a pas parlé de la chair. Donc celui qui parle, oh non, on n'a pas dit à frère Temple de ne pas aller derrière la chair. Il a ajouté quelque chose dans le message. Ouais. Il dit frère, le frère Temple faisait tout en même temps. Ouais. Mais si tu veux trouver vraiment ta place, c'est dans les champs. Faites-le. Et donc on dit que ça c'est une recommandation. Ça, donc, les gens ont dit que ça c'est pour dire que il ne devrait que chanter si tu as un don de chanter. D'abord, avant même d'y arriver, pasteur. Nous avons lu la citation là, il y a dit, donc c'est dit, tu as le talent. Et on dit, on a écouté qu'il y a une différence entre le don et un talent. On a dit que chanter, c'est plutôt un talent, c'était pas un don. Que prêcher, c'est un don divin, exercer le don. Et raison pour laquelle, donc, c'est Dieu, mais talent, donc chanter là, c'est un talent. Donc faites-vous une différence ou une comparaison entre le don et le talent. Est-ce que chanter sans un don ou sans un talent? Bon, ça c'est autre chose. Hein. On va y entrer, on va s'embourber là, talent, don et tout. Ouais. Allons un peu à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que le frère dit, Temple. Ouais. Nous sommes des courants du message. Ouais. Hein. On ne peut pas se focaliser sur une citation sans prendre la vision panoramique ouais. du message. Ce que je veux dire ici, c'est que dans l'ancien temps, d'ailleurs, pour être chanteur, il fallait être dans la tribu de Lévi. De Lévi, ouais. C'est
n'était pas n'importe qui. Il faut être dans la tribu de Lévi. Ça, c'est de un. David. David était un chanteur. Ouais. Mais si tu crois qu'il était prophète. Oui, on a dit qu'il était aussi prophète. Non, mais il ne peut pas prêcher, je crois. Si on va dans le temple, hein, frère temple, frère David, ta place n'est pas, prends seulement la guitare, joue pour Saoul. Ne prends pas l'épée pour entrer au combat. Tu sais manipuler l'épée, c'est quoi? Oui, c'est prêcher. C'est prêcher, ouais. L'épée de la parole. Ah. Mais s'il y a eu quelqu'un qui a terminé même la guerre, c'était le petit chanteur qui a pris l'épée, qui a coupé la tête. Et la bataille était terminée. Frère Banam dit, il n'était pas seulement psalmiste, mais il était un prophète. On descend. Nous avons ici un homme comme Charles Wesley. John Wesley, son frère. Charles Wesley, son... c'est lui qui a donné à l'humanité les chants de victoire. Tout ce que nous chantons, rocher d'âge fendu, ça c'est lui. Ouais. Tout ce qu'il faisait, c'était chanter. Mais les gens ne savent pas que c'était un pasteur. C'était un pasteur ordonné en même temps que son frère. Et j'ai des prédications de Charles Wesley devant l'université d'Oxford, là où il prêche. Nous allons encore plus loin. Le frère Neville, que les gens aiment. Ouais. C'était un chanteur. Il avait une chorale. Le pasteur de frère Banam. Ah oui! Il allait chanter dans des émissions à la radio. Et frère Banam, que Dieu bénisse Neville pour les chants qu'il fait et pour la prédication de la parole qu'il fait. Les deux. Les deux. On appelle ça quatuor. Quatuor en anglais. En français, ça veut dire une chorale de quatre personnes. Quatre personnes, ouais. Trio, trois personnes. Ouais. Et solo, une personne. Une personne. Voilà. Pas seulement ça. Frère Bernard m'a vu le frère, Caps. Il dit, où est ce grand prédicateur, Caps? L'ordre de l'église arrive. Le prédicateur est mis conducteur de chant. J'ai demandé au frère d'y réfléchir deux fois avant de parler un peu trop de choses comme ça là. Frère Caps, prédicateur de l'évangile, il était conducteur de chant. Donc, voté. Aussi. Et frère Branham dit quoi du conducteur de chant? Qui ne se comporte pas comme un prédicateur derrière la chair. Donc, et quand Neville meurt, c'est lui qui était le pasteur. Ouais. C'était un chant. Il chantait des bonnes chansons, des bonnes chansons, des chants et tout. C'est lui qui conduisait les chants dans l'église. Mais il avait un ministère. Quand on dit le frère Temple, il ne faut pas aller faire. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas aller derrière la chaîne. Bon, je n'ai pas vu ça. Ouais. Moi, tout ce que j'ai vu, il éparpillait ces choses. C'est pourquoi. Et parfois même, il est bon d'aller de faire le voyage, aller aux États-Unis. Demander l'histoire de la vie de Temple. Qu'est-ce qu'il faisait? Pour en savoir plus. Pour en savoir plus. Peut-être que le frère était en train de chercher comment... être un administrateur ou comment, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est un mystère. Mais frère Benham lui a dit non, tu cherches ta place. Je crois que ça serait une bonne chose que tu sois fixé sur la chanson. Ouais. Et cela n'empêche que nous puissions quand même dire aux frères et sœurs, les jeunes gens qui chantent aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement que vous finissez par devenir un pasteur ou prédicateur. Vous devez détenir l'appel de Dieu. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'avez pas un appel de Dieu, vous finirez par mourir. Surtout avec ces messages, on ne joue pas. Et j'en ai vu beaucoup qui sont morts. Moi, on dit, c'est tous les chantres qui commencent à devenir pasteurs. Ils ont même dit, peut-être, c'est à cause de quelqu'un qui a donné l'exemple. Moi, j'ai prêché avant de chanter. C'est à cause de... Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui aurait commencé, non, alors non. Les gens ont suivi. Donc, s'il y a quelqu'un qui a commencé, ça doit être le vieux Kouété. Ouais. Mais donc, ils ont dit... Le pasteur Kouété. Ouais. Un grand chanteur. Un grand pasteur. Pasteur Danda. Ouais. C'est un chanteur. Moi, je l'ai connu d'ailleurs. On était dans le Bas-Congo et tout ça. Tout ça. On chantait au village là, tout ça, tout ça. Donc, si on dit que ces gens-là... Mais moi, j'ai vu les ministères dans ces gens-là. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Frère Bernard nous démontre aujourd'hui, avoir un ministère, c'est quoi? Ouais. Tout doit être checké. Il faut avoir trois choses pour avoir un ministère. Les trois choses sont l'attachement profond à la parole. Deux, un fruit visible du ministère.
trois, le surnaturel qui accompagne la personne. Quand il prie pour les malades comme ça, il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Ouais. Moi, beaucoup de gens ne savent pas que j'ai commencé par prêcher avant de chanter. Oh, peut-être que ça, c'est aussi un élément que beaucoup de gens doivent normalement connaître. Parce qu'on vous a connu que lorsque vous avez fait sortir des albums. Et depuis tout le temps, quand on vient dans des conventions, personne ne savait. On disait, il faut qu'on les chante. Et ça ne m'offensait en rien. Beaucoup de gens ne savaient même pas ce que je faisais à Pointe-Noire. C'est aujourd'hui avec vos YouTube là que vous commencez à voir qu'il y a une grande église. C'est à peine. Donc les gens voyaient un aventurier qui est resté là-bas au Congo, quoi. Hein? Encore un aventurier qui est à Lubumbashi, voilà, et tout, et tout, et tout. À Lubumbashi, il y a des gens, des enfants de Dieu sérieux. Comment ils peuvent aller chercher quelqu'un depuis Congo, Pointe-Noire, pour venir être leur pasteur? Simplement un chanteur chantre qui va venir chanter. Non, je crois qu'ils ont vu la chose de Dieu. Ce n'est pas pour me justifier. Ouais. Depuis tout le temps, on dit, bon, lui c'est un chanteur, il ne va pas... Viens chanter pour nous. Je viens. Je chante. Ça ne m'offensait en rien. Il y a même un frère qui disait, toi aussi tu veux qu'on t'appelle pasteur? Je dis, non, appelle-moi frère. Comme tu appelais frère Branham. Ouais. Appelle-moi frère, il n'y a pas de problème. Et j'en ai eu même des discussions avec le feu pasteur, le frère Wadjesse, qui nous a quittés parce qu'il y a eu des frères qui nous ont attaqués, agressés, et il en est mort. Il dit, life, depuis là, je sens mon cœur, ça ne va pas, et il est mort. Les attaques des frères, c'est là où j'ai compris ce que frère Branham dit, que tu ne peux pas tuer ton frère en mettant le couteau, mais tu peux le tuer en parlant mal contre lui. Tu tues son influence. Et c'est comme ça que celui-là va mourir. À Lubumbashi, il y a des gens qui ont été tout autour, qui ont vu comment notre frère est décédé. Il est décédé par des critiques, par des choses. Et lui disait, comment les gens ne veulent pas reconnaître mon ministère? J'ai dit, frère, il faut tout d'abord que ça s'impose de soi-même. Le ministère, c'est Dieu. Le don, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Il ne faut pas avoir peur. Fais le travail de Dieu. Pour que les gens arrivent aujourd'hui, même le pasteur, il faut... Donc, c'était pas facile. De quitter de frère, il faut pour commencer à appeler mon pasteur. Moi, je prêche le pasteur Mbabu et la Bruno. Il est là. Je suis allé dans le Mayombe. J'ai prêché. J'exhortais. Même dans la parcelle là où nous vivions, on m'appelait pasteur. Je n'étais pas pasteur. J'étais un enfant. Donc, voilà un peu mon histoire que les gens ne savent pas. Et tout. Je suis pasteur depuis 91. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas failli. J'ai vu les trois choses dans ma vie. Le surnaturel, comment Dieu guérit. Et j'ai vu les fruits visibles. Je montre comme ça, il y a des doutes. Je parle à la fin, il y a des repentances. Mais non, 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 ça c'est de Dieu. Ah, et cet attachement à la parole de Dieu, c'est même à cause de tout ça. Il faut que patata. Si on n'avait pas un attachement à ce que nous savions, frère, tu peux abandonner même le message. Hein, être attaqué tout le temps comme ça là, si tu n'es pas attaché à la parole, à ce que tu connais. À chaque fois que vous sortez un album, Dieu féminin sont des attaques. C'est des attaques, c'est des attaques. Même le dernier de tout. Hein, même le dernier de tout. Des attaques. Tu as porté beaucoup de vestes dans les réseaux sociaux. Hein, tu as porté des vestes là, mais c'est quoi? C'est de la vestologie que tu veux montrer aux gens. L'autre même m'a attaqué. Tu dis que nous sommes au temps de la mort de Moïse. Le prophète est du temps de la... Nous sommes au temps de la mort de Branham. La mission est donnée. Donc tu veux dire que frère Branham n'a pas fait rentrer les gens à Canaan? À Canaan. Tu veux dire... Il a échoué, il a failli. Donc, à sa mission. Frère Branham a failli. J'ai dit, frère, c'est un contexte. Amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Notre Canaan, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham a prêché. Mais nous avons des brebis dans l'église que nous, prédicateurs, nous devons amener au baptême du Saint-Esprit. Si je viens, je dis, c'est ma frère Branham vous amène déjà au baptême du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte de... C'est que l'église va devenir. Pasteur, juste une petite question qui me traverse à l'esprit. Est-ce que il vous arrive de recevoir les emails de gens qui disent, donc peut-être après avoir écouté vos chansons, bon, peut-être, disons, prenons l'exemple de Dieu féminin, parce que là, c'est l'exemple que j'ai vécu. Je ne connaissais pas d'abord beaucoup le message là. Dieu féminin, bon là, je n'ai jamais écouté. C'est juste un problème même du français. Je ne connaissais même pas les explications de El Shaddai, Dieu à deux mamelles et tout. Oui. Est-ce qu'il arrive que vous recevez les emails des gens? Oh, pasteur, expliquez-nous un peu la chanson, là, le message contenu de la chanson que vous avez chantée. Oui, j'en reçois beaucoup.
tel que Dieu au féminin. Vous voyez, c'est comme j'ai l'habitude de dire, il y a même dernièrement une fille là, c'était des injures. Votre Branham là, il a injuré. C'est pourquoi j'ai dit même mon frère, quand nous avons des différends, j'aurais même voulu dans ce genre de choses, des différends, la prédication, il faut quoi dire, qu'on traite ça entre nous. Entre nous, donc les enfants de Branham normalement se battent derrière dit, la maison. Il faut que la citation que tu as dit, c'est vrai. La chose telle que tu as dit, c'est vrai. Mais par exemple, il ne fallait pas dire ceci. C'est, il y a des anciens. Mais dire directement, non, ce qu'il a dit là, c'est diabolique, ça n'existe pas. Mais à la fin, quand ça sort, c'est nous qui sommes ridicules. Ah, donc c'est leur Branham qui a dit, et maintenant on s'attaque à qui? À Branham. C'est un faux prophète. C'est... Alors, est-ce que nous, on avait voulu que ça arrive à ce point-là? Voilà. Donc désormais, s'il y a des choses, je l'ai toujours dit, quand ça passe, j'ai chanté. Non, ça n'existait pas dans le message. Je suis resté calme. Et à la fin, brac, quand ça passe, existait. Les gens, oui, pour ne pas demander pardon. Et ça a toujours été, si on ne demande pas pardon, on essaie d'avancer. Donc moi, je me dis, même dernièrement, là, il y a quelqu'un qui m'a écrit, mais toi, tu dis que tu n'es pas dans les réseaux sociaux, voilà pourquoi. Mais on te voit, tu as un compte YouTube, j'ai dit. Mais j'ai expliqué. Plus on vous laisse le temps, vous, de parler, que nous, on ne parle pas, vous croirez que c'est la vérité. Alors nous aussi, on entre dans votre monde, on va commencer à vous répondre. Mais même en le faisant aussi, même en le faisant, ça porte des dégâts. Parce qu'il y a des gens, vous voyez, vous-même dans le réseau, comment ils attaquent des vieux, des anciens, des injures, des ceci, ils traitent les autres de pentecôtistes, des ceci. Alors, c'est des choses qu'on n'a pas voulu. Qu'on n'a pas voulu. Un ancien peut ne pas avoir lu telle chose. Mais comment on peut régler cela entre nous-mêmes? C'est ça. Donc, j'en reçois. Et pour les autres, parfois, j'explique clairement, si il est pressé, je dis, bon, c'est un problème de français. Dieu au féminin est différent du féminin de Dieu. C'est justement ça. Donc tu veux dire que j'ai dit, tu as un problème de compréhension de français. Quand on dit Dieu haut, ça veut dire faire le travail de. Jésus est venu du Père et il est retourné au Père. Donc il a changé de forme. Dieu peut aussi faire le travail d'une maman. C'est tout ce que ça veut dire. Et je prends le verset de la Bible, voilà. Mais il y a des gens toujours mal intentionnés. Nous avons un prédicateur chez nous là-bas qui a couché avec 6 femmes. On l'a chassé de l'église et tout. Il prend des trucs, coucou, il faut que vous voyez. Vraiment, il tient un bébé ici, voilà. Il était dans le message. Dans le message. Et nous, on a traité des choses horribles qu'on ne peut pas dire à la télévision. Des saletés. Mais tout d'un coup, vous voyez, il commence à injurier Frère Branham, il m'injurie, il injurie Jésus. Et malheureusement, ce sont des gens, des choses comme ça qui ont beaucoup d'écoute et de vues. Des saletés comme ça. Oh là là. Donc très rapidement. Regarde un peu la prédication là. Je l'ai prêché depuis le 28 février. Nous sommes aujourd'hui au 10e, bientôt nous entrons au 11e mois. On prend, on coupe le pack. Mais ça circulait comme jamais. Et comme disait un pasteur hier, il dit, on ne peut jeter de la pierre que sur un homme. Mais Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur, je n'adore pas William Branham et je ne le ferai pas. Et je ne suis pas prêt de le faire. Mais cette vérité, elle reste. C'est ce que j'ai lu dans le message de William Branham. Frère Branham dit, il est venu sous 3 noms, entre le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. C'est l'homme Malachie 4. Jésus devait retourner dans sa forme physique parmi des êtres humains, dans des êtres humains, pour être un prophète. Point très. On ne change pas. On ne change pas. Et on n'a pas peur de. On n'a pas peur de qui que ce soit. Donc les frères pentecôtistes qui disent que nous ne voulons pas l'écouter, frère, vous êtes libre. Si au départ Dieu vous avait dit de m'écouter et qu'aujourd'hui vous trouvez qu'il ne faut plus l'écouter, mais ça s'appelle, c'est la vie. Je prends ça comme ça. Et je ne dirai pas que si tu ne m'écoutes pas, tu n'iras pas au ciel. Je ne le dirai pas. Vous n'allez pas aussi les ravir le Saint-Esprit. Non, je ne veux pas vous ravir le Saint-Esprit parce que tu ne m'as pas écouté. Non, moi-même je vivrai, même si tu ne m'écoutes pas. Il y a beaucoup d'artistes. Mais seulement, il y a quelque chose de très dangereux qui arrive. On ne comprend pas. Tel pasteur adore Satan. Tel, c'est dans les réseaux sociaux. Tel musicien adore Satan. Tel musicien adore Satan. Tel. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous en sommes? C'est tout le monde qui adore Satan, sauf eux. Ceux qui disent que c'est vous. Hein? Il adore Satan, il adore. Maintenant, toi-même, tu adores. Qu'est-ce que tu adores? C'est un peu ça. Merci beaucoup, pasteur. Juste peut-être une dernière question. C'est devenu une pratique dans le message. Nous voyons des concerts et ça choque beaucoup les gens. Donc, concert, on dit paf, 2000 francs.
En plus de cela, on voit même peut-être VIP, 5000 francs. Donc normal, ticket normal, 2000 francs. Alors les gens se disent, bon, maintenant au concert, nous tous nous sommes les enfants de Dieu, le brebis du Seigneur. Nous allons au concert là-bas pour communier, pour être bénis au moyen des chansons. Mais il y a maintenant une classe VIP et doivent payer 5000, alors que nous tous nous allons écouter la même parole. Mais à l'église, il n'y a pas de VIP. Donc cette pratique-là, d'abord, qui achoppe les gens de faire payer les concerts de VIP là. Donc, bon, tout d'abord, les VIP là, moi je ne crois pas à ça, ce n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, j'en ai parlé avec un jeune qui voulait faire des concerts, je crois, au Cameroun. De VIP, ceci, j'ai dit, oh, mais ça c'est quoi? Il dit non, même au ciel, il y a aussi des classes. Des... Bon, c'est déjà avec des ressentiments et tout ça, c'est pas normal. Et faire payer les concerts, c'est comme on l'a dit, facultatif. Les concerts, selon William Branham, c'est un appât. Ouais. C'est un appât et derrière, livrer le message. Quand on dit par exemple, il faut qu'on va chanter, il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Ceux qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu, on va profiter. Ils écoutent la parole et après, nous pouvons les captiver. La chanson, c'est un appât. Ça, c'est de un. Et de deux, comme disait Frère Branham, qu'il y aura un déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile. Payez vos billets pour y entrer. Yeah. Il dit, vous ne payez pas les billets pour la parole, mais c'est pour les déjeuners. Une première citation. Une deuxième idée, payez les billets pour que nous ayons assez d'espace. Voilà. L'évangile, on ne le paye pas. Mais parfois l'évangélisation, on a besoin de faire sortir l'argent. Beaucoup de gens ne savent pas. Les brochures même que nous avons ici, quand nous allons en Europe, aux États-Unis, nous achetons ça. C'est payant. On ne donne pas gratuit. Les CD, tout est payant. C'est ici en Afrique où nous recevons tout gratuitement. Même dernièrement, quand on voulait donner, je crois, les COD, on demandait un peu d'argent seulement pour qu'on puisse soutenir l'œuvre de la voix de Dieu. Mais il fallait écouter les gens qui injuriaient. Ça aussi, il faut que ça change un peu. Du temps de Frère Branham lui-même, il avait des jeunes gens qui l'accompagnaient. Il vendait des livres, il vendait des cassettes, il vendait des ceci. On ne vend pas la parole, mais on vend des supports. On ne peut pas vendre la parole de Dieu. Donc, nous disons, c'est facultatif, comme je l'ai dit. On ne peut pas être là, vouloir, comme on dit, chercher de l'argent, et devenir je ne sais pas quoi, parce qu'on fait un concert. Je ne sais pas, actuellement d'ailleurs, qui est cet homme-là qui peut faire un concert? Et les billets payés, il peut gagner de l'argent. Je vous dis, comme quelqu'un qui est à l'intérieur, qui connaît, normalement, il n'y a pas d'argent. Il n'y en a pas. Moi-même qui ai fait beaucoup de concerts, zéro. Et nous ne vivons pas de concerts. Et de tous les concerts que j'ai fait, ça aussi, je donne un conseil aux jeunes gens qui chantent. Il faut quand même qu'ils arrivent à un certain moment de laisser quelqu'un prêcher. Pour gagner les âmes. Sinon, ça serait un concert simplement pour venir danser. Et ce qui ne sera pas bien. Tous les concerts que j'ai fait, moi, c'est soit lors d'une campagne d'évangélisation, à la fin, je chante. Lors des réunions de réveil, à la fin, je chante. Même les concerts que j'ai fait en Europe et tout, tu peux demander aux frères. Mon collaborateur, le pasteur Arthur Moussaka, prêche tout le temps. Et nous gagnons quelques âmes. Vous voyez même dans les concerts, les premiers concerts de Paris, il y a un frère qui joue les tam-tam et tout. Vous allez voir des gens avec des dreads, des traits, des trucs et tout. Aujourd'hui, sont des frères. Ça même a chopé beaucoup de gens. Ils sont des frères. On a vu donc des gens. Bon, on disait que voilà, le pasteur Li Foko, des concerts comme ça, des gens avec des dreadlocks, avec des boucles dorées, alors qu'ils chantent la parole. Ils étaient venus au concert. Et beaucoup d'entre eux ont cru le message, sont devenus des frères. Beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, sont des frères. Vous allez voir le premier concert de Paris 1 et le deuxième, ces gens-là ont changé. D'autres qui avaient des dreads et tout ça, ont coupé. Ils sont maintenant corrects et tout et tout. C'est ça le but poursuivi. Et moi, je me dis que par cela, j'ai reçu pas mal de frères. Moi, depuis que tu avais chanté là, parce que je ne comprenais pas les gens de Branham. Parce qu'on a toujours une fausse publicité que les gens font de nous. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Les gens de Branham, déjà là, premier concert de Paris, on a interdit aux gens de venir parce que nous adorons Branham. Déjà ce temps-là. Et aujourd'hui, ça ne nous surprend pas d'entendre cela. Maintenant, quand quelqu'un adore un homme, il y a la loi de la reproduction. J'ai aimé le Seigneur aujourd'hui là,
j'écris depuis 83 jusqu'à aujourd'hui, ma vie. Si j'adorais un homme, si c'était lui mon Dieu, vous aurez vu ça. Mais je sais que Dieu m'a envoyé aujourd'hui un message. Je n'ai pas honte de son messager. Je n'ai pas honte. Et moi, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui ont dit, il faut qu'on a honte de frère Branham. Ouais, ça aussi, il y a beaucoup vraiment. Donc, on se demandait même si vous étiez au courant de ça. Il faut qu'on a honte de frère Branham. Maintenant, qu'est-ce que ces gens-là vont dire aujourd'hui? Quand les gens extrapolent même, ils disent c'est un antichrist. Parce qu'il vante autour Branham plus que même Jésus. Voilà. Donc l'histoire est têtue, comme on dit. Et je n'ai jamais, jamais, jamais trahi le message que j'écris. Je n'ai pas honte du message et de son messager. Et de mon Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, je ne le ferai pas. Je préférerais manger même un pain sec que de renier une seule citation. Ça, non. Peu importe le conseil des hommes, je ne le ferai jamais. Alors jamais, jamais. Ceux qui ont pitié de moi, peut-être, on a dit, peut-être, non, qui n'ait pas pitié de moi. Le Seigneur prendra soin de moi. Ah, donc c'est un peu ça. Vraiment, pasteur, merci beaucoup, vraiment. Pasteur, il y a juste, ici, vous êtes ici en Afrique du Sud, ici à Johannesburg, il y a un petit constat là, donc ces jours-ci, on sent vraiment un climat là. Donc, donc ça, je vous pose parce que vous-même, vous êtes pasteur. Si vous étiez peut-être un simple musicien, je n'allais pas poser la question. Mais étant donné que vous êtes pasteur, peut-être que vous avez constaté, il y a un climat là qui n'est pas un bon climat entre les serviteurs de Dieu, surtout en Afrique du Sud, à Johannesburg aussi. Un peu d'esprit de camp. Donc, ne participez pas, n'allez pas à ça. Alors, il y a des... Donc, bon. Comment... Je vous donne rendez-vous d'ici la fin de l'année. Cette chose, Dieu va nous aider. Je ne vais pas trop parler, mais je crois que Dieu nous aidera. Ok. Parce que beaucoup de ces pasteurs qui me considèrent aussi comme leur ancien, ils m'ont vu. Ils ne veulent pas d'une atmosphère comme celle-là. Ils ne veulent pas. J'ai écouté beaucoup. Personnellement, moi-même, j'ai dû aussi vraiment trouver que non, ils avaient raison, d'une part. Et qui m'ont donné cette responsabilité parce que je voyage demain, mais je reviens vers la fin du mois de novembre ici pour ce concert dont je parle ici là. Donc je reviens et voilà qu'à mon retour, je vais rester comme un grand frère, prendre celui-là, qu'on essaie un peu de s'asseoir. S'il y a des choses à arranger, qu'on essaie d'arranger, qu'on aille de l'avant. En tout cas, on attend vraiment. Parce ça que, va se faire. Parce que donc, c'est une chaleur. C'est vraiment une chaleur. Là, on peut vraiment, parce que si nous, brebis, on peut déjà sentir ça. Ouais. Donc, vous voyez vraiment à quel. Et c'est pas ça l'esprit du message. C'est pas ça l'esprit du message. L'esprit du message, c'est être une génération sans conflit, tout d'abord. S'entendre avec tout le monde. Respecter tout le monde. Quand on donne quelque chose et que tu n'es pas d'accord, comme disait Frère Branham, tu peux manger même seulement les légumes. L'os, tu peux dire, bon, je mets ça de côté. Quand j'aurai des assez solides dedans, je pourrai croquer, mais pour le poumon, non. J'ai même aimé votre reportage sur Gospel Cross, comme un pasteur a dit. Il faut que quand il a dit qu'il termine la course, bon, moi, ça ne me dérange pas. Mais il devait quand même continuer à dire que ça termine aussi à moi et tout. Mais ça, c'est bon. J'ai beaucoup aimé. Mais j'ai dit, c'est un contexte. J'ai parlé pour quelques minutes, on ne pouvait pas tout expliquer. C'est ça. Je crois que par la grâce de Dieu, d'ici la fin de l'année, ça y est dans mon cœur, je ne vais pas le dire, le diable est le père qui n'entre et puis les prendre, parce que quand on les dit, ce n'est plus un secret. Dieu nous aidera, ça va se faire. Vraiment, pasteur, merci beaucoup. Dans tout cas, nous croyons vraiment que ça a été une très grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Il s'attendait vraiment à ce que vous puissiez parler, que vous puissiez vraiment éclaircir sur ces deux points-là. Et comme vous l'avez fait, je crois que c'était vraiment une bénédiction et nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre petite émission avec le révérend pasteur Simon-Pierre Lifoko du Ciel qui répondait à nos questions. Au nom de toute l'équipe de Gospel Cross, la supervision de Frère Richard Kabea et derrière les caméras, Frère Mike et moi, votre frère, nous vous disons shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Ok. Sera mes secourir. Il est le maître qui veille sur mon
la barque de ma vie. Jésus-Christ, mon Rédempteur, s'élèvera le dernier. 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 J'avance mes pas dans tes parvis pour décliner toute ma requête, répandant mon âme devant ta face. Toi, le seul guide de ma vie, malgré les vagues de ferland, malgré les tempêtes agitées, éclipsant toute lueur d'espoir. Je mets ma... Plus qu'une filiale, elle est une référence incontournable dans la création des sites web, hébergement web, enregistrement de noms de domaines, référencement des sites pour leur visibilité sur Google, développement de sites de commerce en ligne, développement des applications Android et Apple, maintenance et administration des sites internet, infographie et conception des logos, production vidéo et consultance d'affaires. Nous proposons à nos clients plusieurs services, dont le service aux webmasters et agences web. En effet, nous offrons aux webmasters et agences de création des sites la possibilité de devenir revendeur de l'hébergement web, enregistrement des noms de domaines et autres avec la marque Blanche. Vous êtes un particulier, une église, une petite, moyenne ou grande entreprise et vous avez un besoin, des besoins qui figurent dans les services que propose ZOSNOW. Sachez que notre mission est de répondre à vos besoins de façon personnalisée et d'atteindre avec vous les objectifs fixés, car nous prenons l'excellence dans chacune de nos réalisations. Notre vision, permettre aux personnes physiques ou morales à s'adapter au changement qui est permanent. ZOSNOW est une filiale de ZOSGEN Corporation qui est une entreprise créée en février 2003 et compte à ce jour 8 filiales à son actif. ZOSNOW est la filiale des services web et informatiques qui a été créée en 2011 et compte actuellement 12 employés permanents et 18 consultants. Avec 300 clients à son actif, 400 sites construits, 700 sites hébergés, 100 sites administrés et plus de 1200 noms de domaine enregistrés, 4 serveurs répartis aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, à Hong Kong et bientôt en Turquie, ZOSNOW s'impose aujourd'hui dans la création des sites web et création des noms de domaines. Vous souhaitez souscrire à l'une de nos offres? 3 modalités de paiement s'offrent à vous, au comptant, permanent ou mensuellement. Les modes de paiement sont les suivants: en liquide, en ligne sur notre site www.zosnow.com ou avec votre carte bancaire ou via MoneyGram ou Western Union. Pour tout contact, nous appelez au 00 44 07 466 70 70 40 ou au 00 44 01 908 804 149. N'attendez plus. Rejoignez la famille ZOSNOW pour devenir un client satisfait en plus. À très vite.